979. Le pétrole, aujourd'hui, on sait quoi en faire. Lorsqu'on parle d'inflation, on pense évidemment à l'énergie, à la viande, aux fruits et aux légumes, plus rarement aux produits pour animaux de compagnie. Et pourtant, les aliments qui leur sont destinés ont augmenté de 13% ces derniers mois. Comme pour les humains, il existe des solutions pour alléger la facture. Charlotte Gerbelot, Bruno Chastanier et Sophie Hernandez. C'est bien connu. Dans nos foyers, nos animaux sont rois. Ça, tu veux manger ? Et ce n'est pas Mixa qui vous dira le contraire. Son maître l'a toujours régalé. Mais depuis ce printemps, le prix de ses croquettes et friandises a augmenté. Par mois, 5 à 10 euros supplémentaires dans le budget de Jonathan. Ça peut paraître dérisoire, mais 5 à 10 euros, c'est le prix d'une place de cinéma. Donc effectivement, je me suis dit, mais même au niveau du chien, ça augmente. Donc où est la limite ? Alors comment expliquer une telle augmentation en rayon ? Nous sommes allés voir un fabricant en Normandie. Donc on est devant une unité de préparation des viandes, hein, du porc, de la volaille, du bœuf. Parmi ces produits, cette barquette de pâté. L'année dernière, elle coûtait 1 euro. Elle est désormais vendue 30 centimes de plus. Première raison, le coût des matières premières. Depuis un an, la volaille a augmenté de 42% en raison de la grippe aviaire. Le porc, de 10%. Aujourd'hui, on est vraiment au pied du mur. Et les augmentations, c'est même pas nécessaire. C'est vital. On ne peut pas faire autrement que de demander à la grande distribution ou à tous nos distributeurs d'augmenter. Même les prix que l'on fait sur notre site internet en direct, on répercute cette augmentation. Un foyer sur deux possède un animal de compagnie. La hausse des prix va-t-elle changer les habitudes des maîtres ? Ça dure combien de temps ces deux-là ? 15 jours, 3 semaines. Ça dépend. Parce que des fois, il y a des restes, je leur donne des restes et comme ça, ça économise un peu les croquettes. Pour garder ses clients, cette enseigne spécialisée n'a pas hésité à casser les prix sur certains de ses produits les plus vendus. Alors ce produit-ci était à 64,99 €, il est descendu à 59,99 €. Mais l'effort ne peut pas être fait sur toutes les références. Un grand nombre de produits n'échappent pas à la hausse. Préserver l'environnement.